Hello tout le monde, l'ascension continue avec Reggae Gigas, je le joue à nouveau aujourd'hui. Alors j'enchaîne directement avec la vidéo que j'ai tournée hier, si vous écoutez, si vous regardez ça le jour de la sortie. Et en face, quand je vois les 4 premiers Pokémon, je me dis ok, j'aime bien ça. Plus Elector et Metalos sont des Pokémon que j'aime beaucoup. Mais par contre, quand je vois les deux derniers, je ne comprends pas ce qu'ils font là. J'ai l'impression qu'il a mélangé deux équipes, l'adversaire là. Que font Raichu et Smogogo là-dedans? J'avoue que je ne comprends pas. Je m'interpelle. Donc Chifourse, Raichu et Smogogo. Ok. Alors il y a Smogogo en face et ça me fait un petit peu peur pour mon Tracite Lansorien. Mais en même temps, si l'adversaire il lead avec son Smogogo et que je prends Regigigas, et bah il a l'air con. Bah non, parce qu'en fait il peut toujours lead Smogogo Raichu et il peut faire. Nuzzle. Ah ouais, en vrai c'est chiant. En vrai c'est grave chiant. Alors j'ai un plan en tête, mais il est un petit peu alambiqué, un peu capillotracté. C'est Regigigas Lansorien. Bah non, autant faire Montracite Lansorien. Hein. Parce que si jamais il lit pas Smogogo Raichu, je suis très content. Donc on va faire ça. Et derrière, on va prendre Gorythmic et Chifourse. Hein. Oh là là, quelle surprise d'avoir Gorythmic et Chifourse en numéro 3 et 4 dans ma compo. Quelle surprise. Non, en vrai, on peut l'interversionner l'adversaire. Donc on a une solution. Au premier tour, si jamais il envoie Smogogo et Raichu. Mais c'est vrai que du coup, avec Smogogo, son Raichu, il ignore Paratonnerre. Ok, déjà je vois Elector, donc je ne m'inquiète déjà plus. Ok, Raichu, Elector. Est-ce que ce serait le premier mec au monde à... Ah, déjà, il joue pression sur Elector, c'est forcément mieux de jouer statique. Est-ce que l'adversaire compte sur coup de jus de Elector pour booster Raichu? Est-ce que ce serait une première mondiale? Non, ici, il n'y a aucun danger hein, pour faire Surf plus Max Roche. Sur Raichu, on a trop peur de frotte frimousse, bien sûr, pour laisser l'adversaire le faire. Non, 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 non. Je préfère tuer Raichu qu'un Elector maxé, hein, très clairement. Après, si on est paralysé avec Montracite, on peut toujours faire interversion plus tard, mais bon. Si on peut ne pas en arriver là, ça m'arrange. Un Raichu veste de combat, ce serait pas la fête. Bon, il retire son Elector, donc j'ai envie de dire que je... Ah, mais non, il envoie Smogogo maintenant. Pourquoi j'y ai pas pensé? Non, mais j'en ai parlé, j'ai parlé du lead, mais j'ai pas... Et du coup, je m'active pas Turbine. Mais non, mais... Bon. J'en ai parlé, tout ça, pour ne pas y penser au dernier moment. Ah, c'est gravissime, ce que j'ai fait, là. J'aurais dû faire interversion, dans tous les cas. J'aurais dû faire interversion et Max Roche à droite. C'était le vrai plan de jeu. Non, Max Roche à gauche, dans tous les cas. Oh, le con. Du coup, je me suis fait des dégâts. Bah, je me suis juste activé la vulné, quoi. Aïe, 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 aïe. J'ai crit qui? Oh non, c'est Rimpel, c'est pas Nuzzle. Oh bah d'accord, ok. Bah après... Bah j'ai pas activé sur mine, ouais, donc dans tous les cas... C'est quoi toujours Raichu? Il a pris des dégâts quand même. Hein. Ah, c'est Smogogo qu'on a crit. Ah, il meurt pas de l'air de caillou. Ah non, si seulement on a eu le crit sur Raichu, mais bon, ça aurait été... J'aurais eu énormément de chance hein, de tuer Raichu comme ça. Bah cela dit, hein, c'est pas forcément très très grave. Parce que là, il peut rien faire contre... Bah de toute façon, je vais... Oh non, j'ai pas besoin de faire... Bon non, je peux juste faire abattage, là. Je tue les deux, je suis content. Et derrière, on veut poser le soleil, je pense. Est-ce qu'on pose le soleil ou pas? Parce que j'ai mon Chifourse derrière, ça pourrait l'embêter. Mais après, le soleil me permet d'avoir des dégâts sur Metalos que je peux avoir du mal à... Que je peux avoir du mal à tuer éventuellement. Ok, Elector rentre là-dessus. D'accord, donc il va prendre des dégâts de l'air de caillou, ça va pas vraiment me déranger. Il prend des dégâts derrière abri, il va doublement prendre des dégâts derrière abri, le Smogogo. C'est vraiment pas grave hein, ce qui se passe là. Alors il va pas prendre le KO pour autant, hein, le Smogogo, faut pas déconner. Mais là...
Ah ouais, s'il fait max vol en vrai. S'il fait max vol, le lecteur, c'est chiant. Alors, il y a le soleil. Alors, il ne reste plus qu'un tour de max, hein, c'est important. Ouais, c'est bien fait gratter le lecteur. Hein. Mais là, le problème, c'est que si j'ai besoin de chi force pour faire des dégâts, bah, il y a le soleil. Et... Donc, torrent de coups et aqua jet. Pas dingue. Hein. Est-ce qu'on fait interversion? Je pense. Hein. Comme ça, mon tracite, il tank le coup facilement. Faire max rush à gauche. Et Smogogo, en vrai, il nous inquiète pas trop. Parce que il prendra encore deux fois. Enfin, faudrait qu'il soit retiré pour qu'il prenne pas deux fois les dégâts de l'air de caillou. Donc, ça m'a l'air ok. Et avec une fois l'air de caillou, il meurt sur abattage aussi. Ou sur surf, ça c'est pas forcément évident. Ça max le lecteur, d'accord. En fait, même s'il a une potentielle, vu l'assurance, c'est pas grave. Puisque. Il mourra même sur. Sur Glycerme, moi, en vrai. Après, il y a Raichu qui va bluffer plus tard, ça peut être très chiant. Potentiellement. Ça, ça permet de prendre max vol sur mon Tracite qui s'en fout de prendre des dégâts. Effectivement. Il s'en fout alors que mon lance-sorien, il est quand même plus précieux. Hein. Il peut terminer Raichu facilement. Abattage, ça peut peut-être servir. Oh, ça peut servir sur Rushy Force encore éventuellement. Feu follet qui part sur mon Tracite. Let's go. Et il est hors bevy le lecteur. Hein, sans doute. Enfin, il n'y a pas vraiment de doute là-dessus. Et voilà. Le max adverse qui n'aura pas servi. Il aura vraiment pas servi, le pauvre. Bah, en fait, son plan de rentrer Smogogo pour aller chercher mon Tracite ou un Regigigas, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, il faut faire ça avec Froid Frimousse. Il faut pas faire ça pour mettre moins 2 à mon Tracite. Il fait quand même du taf, mon Tracite, hein, à moins 2. Enfin, plus 0 du coup. Et c'est au Copisco le dernier. D'accord. Bah, j'ai mis le soleil, on peut faire. Faire lance-soleil là. Là, est-ce que sur surf on tue Smogogo? Je crois pas. Enfin, on peut faire abri, hein. On a rien à craindre. Pouvoir lumière, je suis pas sûr que ça me tue parce qu'on est comme max HP sur lance-sorien là. Surf. On mur lumière. Hein. Peut-être mur lumière. Hein. Mur lumière, c'est sûrement mieux parce que là, il peut vouloir faire abri avec Smogogo. Et de toute façon, il meurt Smogogo à la fin du tour avec l'air de caillou. Donc là, c'est le forfait adverse. Oui, je vois pas comment trop il aurait pu s'en sortir. Je vois pas. Il avait pas encore fait le moindre KO. Il a perdu son Dynamax. Et derrière, Pouvoir même son Tokopisco. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? En fait, s'il retire son Smogogo pour garder Gaz Inhibiteur pour plus tard, j'aurais pu rentrer Gorythmique pendant qu'il n'y avait pas Smogogo. Et donc, j'aurais eu le champ herbu. J'ai pas besoin qu'il ait Gracie Surge. Présent à tous les tours pour mon Gorythmique. J'ai juste besoin que ça soit présent une fois pour poser mon champ et on n'en parle plus. Du coup, c'est gagné. Et on go next. On a gagné assez rapidement la première game pour cette vidéo. Ça fait plaisir. Donc, l'ascension continue. C'est pas mal. Et ce serait bien de fêter ça avec un adversaire très bien classé. Ce serait sympa. Parce que là, ça fait un moment, même si j'en affrontais quelques-uns avec des matchmaking beaucoup trop larges et qui étaient pas très justes pour les joueurs qui étaient bien classés au moment où ils m'ont affronté. C'est un peu l'upset. Quand t'es très bien classé, que t'affrontes un mec qui est mal classé et qu'en plus il est bon, ça fait chier, quoi. Parce que quand tu perds énormément de points et quand tu gagnes, t'en gagnes très peu. Donc, c'est vraiment la double peine. Après, faut bien trouver un système, mais c'est juste que... Il est beaucoup trop large le système actuellement. Enfin, depuis épée bouclier, hein, il a jamais changé. 737, bon, quand je disais bien classé, j'espérais bien mieux que ça. Et on a un Suicune en face. Oh. Alors, est-ce qu'il va vouloir sortir face à ma team? Je sais pas. Le problème, c'est plutôt Bamboiselle, évidemment. De toute façon, peu importe votre équipe, Bamboiselle est forcément un problème. C'est trop chiant. Même si vous jouez...
Même si vous jouez Motis Mafour et je dis pas ça parce qu'il y a encore un Raichu en face, décidément. C'est quoi ce délire avec Raichu là? Incroyable. Est-ce qu'on s'y prend avec Regigas ou avec... L'Ensoleillé Montracite, on peut pas se permettre parce que Suicune, en fait, il en a rien à cirer de Montracite et il peut faire vent arrière sans problème. Donc Suicune est une vraie réponse à Montracite. Hein. Ce qui est moins vrai pour Tocopisco. Bon, en vrai, c'est vrai aussi quand même. Hein. Puis au Croupi... Suicune a propre au Croupi, non? Non, l'eau sale, lui, non, il est trop propre pour ça. Hein. Non, il est trop... Hein. Il est trop clair, net, impeccable... Bref, ah ouais, j'avoue, il dissuade pas mal. Je pense qu'on va faire. Oh, c'est casse-couille. Parce que Raichu, Nuzzle, là, c'est vraiment dramatique ici. Je vais faire ça. Je vais faire Lanceurien, Montracite, Gorythmic, Chifourse. Je sais bien que... je crois que j'ai joué que Regigas la vidéo d'avant et là j'aurais joué que Montracite. Mais je vois pas comment on gagne... En fait Raichu me fait trop peur, dans un sens, mais Suicune me fait trop peur dans l'autre. Et Bamboisel me fait peur dans les deux cas. Là, enfin, il me fait un peu moins... Merde. Il me fait un peu moins peur dans un sens que dans l'autre. Ok, Suicune, Chifourse... D'accord. Question, est-ce qu'il veut... Bah en vrai on fait... Ah mais attends, il peut peut-être compter sur... je sais pas trop. Parce que là, souvent arrière, mon Montracite il dépasse ses deux Pokémon. Hein. Ou alors on maxe pas Montracite, mais je peux pas me permettre ça. Aïe aïe aïe, c'est horrible. Est-ce que je fais surf? Est-ce que je peux gagner sans le faire? Je maxerai personne d'autre de toute façon. On va faire mur lumière. Et Max Rush à gauche. Je vais tenter mur lumière. Mais s'il fait vent arrière, j'ai l'air con, je crois. Après, on n'a pas peur de Chifourse pour l'instant. Hein. On a la belle ampoule sur. Attends, il max. Mais c'est moins bien que de faire pour obscur. On voit pas ce qu'il fait l'adversaire, mais d'accord. En plus, on pourra faire abattage si on veut. Il a plus l'option de coup bas. C'est pour faire voir arrière, ça? J'ai pas compris son délire. Parce que là, son play ne couvre pas Surf plus Max Roche, je crois. Je crois. Et s'il s'amuse à faire... j'aurais bien voulu voir Suicune maxer. Avec mur lumière. Ah non, max combat, d'accord. Ah mais là, c'est pas le mur lumière qui va me sauver d'ébullition, hein. Je suis pas sûr. Non, par contre, ça c'est dégueulasse. Si on meurt d'ébullition, c'est vraiment dégueulasse. Hein. Non, ça fait bon arrière, ok. Ok. Ok, bon, au moins on pose l'air de caillon. Ah ouais, on fait ça, Suicune? Oh bordel, on aurait pu le tuer. Ah bah j'aurais pu faire surf en fait. Ah merde, j'aurais pu faire surf et c'était win. Mais attends, mais il a pas... Ah, il va absolument tenir... Il va absolument tenir Glisserve de Gorythmic, j'imagine. Mais là, en fait, on a un une très jolie interversion à proposer. Hop, interversion, et on va viser. Bon, en fait, on a déjà posé les cailloux, donc autant faire max feu. Bah, ouais, on a tout à gagner. Max feu à droite. Allons-y. Allons-y, ça nous met bien. S'il a fait max combat, il a pris le risque de faire max combat au tour 1, donc je pense qu'il est pas au courant pour interversion que c'est possible et que c'est joué. Et c'est Max LM qui va partir sur Montracite, du coup. Ouais, ça fait le KO. Oh, c'est pas sérieux. Ah bah oui, je suis con, c'est Max Combat qui est capé, qui a fait... Ouais, mais putain, ouais. Oh, il est pas au courant pour la belle ampoule non plus. Oh, c'est trop triste.
Oh non, t'es pas sérieux, on va perdre ça alors qu'il fait n'importe quoi. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, va encore y avoir des mecs dans les commentaires pour dire « Mais s'il a gagné, c'est qu'il a mieux joué !» Oh mon dieu. Oh, c'est... Génial, formidable, je vais encore y avoir droit. Algorithmique, on menace directement. C'est pas fini, hein, c'est déjà dit. Il a plus qu'un tour de max. Il reste deux tours devant arrière, deux tours derrière de caillou. Max Teneb ne tue pas. Je sais pas si l'abattage a un quelconque intérêt. Bah, gratter des dégâts. Vent arrière, aboiement, ébullition et un dernier, je sais pas ce qu'il a. Après, on a le mur lumière aussi, donc bon. Ça atténue aussi les dégâts. Ouais, abattage, on a simplement pas mieux en fait. Et coup de main, ouais. J'aurais dû y penser. Oh, la belle ampoule, j'ai confiance. Ah non, Max. Je suis vraiment pas pressé de voir les commentaires de la vidéo. Bon, il passe à plus 0 en attaque. Il n'y a plus qu'un tour devant arrière. Bah, mon chiffon, si tu auras pas bamboiselle, donc s'il a bamboiselle derrière, c'est un peu mort. Après, il a pas joué son tour 1 pour gérer mon tracite, donc bon, je suis un peu saoulé. Je suis un petit peu saoulé. Là, on était sur une énorme série et. Bah, ils sont toujours gâchés les séries par des games comme ça, c'est jamais des bonnes games qui arrêtent les séries, c'est quand même assez triste. Il a terminé son max, il peut faire Kuba. Ah, puis il couvrait pas interversion non plus, son play était tout avant. Oh, alors, c'est une catastrophe. Alors, Max Teneb sur mon tracé, sur Gorithmic, c'était très bien, mais. Mais non, non, pourquoi faire un bon choix. Ce qu'on veut pas, c'est prendre des dégâts sur Chifourse. Le Chifourse adverse, il ira pas chercher le mien. Du moins, je pense pas. Ouais, on va faire détection et abattage. Oh mais non, je suis con, il m'a cramé. Ah oh bah non, bah là c'est moi qui fais n'importe quoi. Il m'a cramé la belle ampoule sur aboiement. Non mais là j'ai juste fait de la merde. Est-ce que à quoi j'ai tué le chiffourse adverse? Est-ce que on tue le chiffourse adverse avec Aquajet? Je crois pas. Donc ouais, je suis bête là, j'aurais. Non mais là j'ai juste fait n'importe quoi là par contre, c'est torsé. Je sais pas si c'était gagnable. Je sais pas si c'était gagnable, mais ou alors j'aurais pu prier pour le speed tie. Parce qu'il aurait jamais fait Kuba. Après sur aboie. Oh puis il y avait le chien herbu, donc aboiement et on récupérait ce qu'on perdait avec le chien herbu, on était ok. Avec Gorithmic derrière, est-ce qu'on aurait pu gagner? Je crois pas, hein, de toute manière. Mais c'est pas une raison pour se dire, bon bah tant pis, je réfléchis pas à ce que j'aurais dû faire. Le meilleur tour pour moi ici, c'était... c'était pas abattage. Du coup, interversion, on prend point obscur sur Chifourse, je sais pas trop. En fait, Suicune, quoi qu'il fasse, on s'en tape. Ouais, en vrai, interversion. Bah non, interversion, c'est un. Interversion, ça couvre éventuellement Kuba. Puis s'il le fait sur Chifourse, c'est pas trop grave. En fait, je pense que c'était pas gagnable derrière avec deux Pokémon. Même si c'était pas. Même si c'était pas Gorithmic. Parce que si, comme par hasard, c'était pas Gorithmic, genre, il allait pas avoir Raichu derrière, quoi.
contre ma team. C'était pas pensable. Bon, bah, c'est un peu triste de couper la série par une game aussi pathétique. Mais c'est pas grave. On va jouer une nouvelle équipe à thème demain. Je sais pas combien de temps ça va durer les équipes à thème à partir de demain. Est-ce que je vais faire ça pendant 2, 3, 4 jours? Ou je repasserai sur peut-être Gigas parce que là je suis à l'aise avec l'équipe. Je sais pas encore. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur cette vidéo. Bien entendu, à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Il y a des vidéos tous les jours en ce moment. C'est quand même plutôt sympathique. Et je vous dis rendez-vous en live sur ma chaîne Twitch. Le lien est évidemment en description. Donc je vous dis rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Salut tout le monde.